Et bonjour ou bonsoir, c'est Revan, et aujourd'hui on se retrouve sur Murder Soul Suspect. Encore une fois, bien sûr, vous voyez, hein, vous savez lire, j'imagine. Ouh là là, attendez, attendez, attendez. Je vais baisser le son parce que je l'ai un peu fort parce que je joue avec le casque. Non, là c'est trop. Hop. Et j'ai regardé un truc parce que j'ai remarqué dans les. Hop, attendez, options du jeu. Ouais. Non, parce que j'ai remarqué que le son, en fait, dans les cinématiques, on l'entend parfaitement bien, mais par contre, quand les personnages parlent, on n'entend absolument rien. Bon, pour l'instant, c'est tout à fond, hein, je comprends pas. Bon. Ouais. Bon, bah allez, c'est parti, on va continuer. Alors je comprends pas, c'est vrai que c'est dommage ça, je me suis rendu compte en regardant la vidéo quoi, pour voir ce que ça donnait, voir le son, si on m'entendait bien, si j'avais une voix douce et agréable. Douce et agréable, ouais, t'as raison, ouais. Agréable, une voix suave. Bon, la dernière fois on était dans l'église, on avait trouvé Joy, cette petite... Voilà, c'était la fille qui habitait au dernier, dans l'immeuble dans lequel on est mort. Allez, encore deux haches. Deux scies, je veux dire. Ok. Ouais, d'accord, donc les esprits ont envahi l'endroit. Ok, d'accord. Ah! Il y a un morceau là, un truc à récupérer. Hop! Allez, carré! C'est quoi ça? Alors, je ne peux m'empêcher de l'aimer. Il est qui il est, mais je n'y peux rien. J'essaie de prendre du recul, d'être raisonnable, de penser à quelqu'un avec qui je pourrais avoir une vie normale. Mais je ne pense qu'à Ronan. Je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas m'en empêcher. Impossible. C'est ça l'amour véritable. Je n'ai pas vu le véritable, en fait. C'est pour ça que c'était un peu. Bon, alors oui, donc attendez, j'avais retrouvé les... Délivrez-nous du malin! Ah oui? The Shadow of Malin! Bon, alors dans cette église de merde là, j'avais deux trucs à trouver là. Deux, il me restait deux... Comment ça s'appelle? Putain, je peux plus retourner en arrière. Merde, putain, je peux pas retourner en arrière. Non! Ah oui, plus qu'une!
Voilà. Ici, il n'y a rien. Désolé, hein, je fais un petit peu de fouillette. Bonjour. Hey, attends, ça va aller. T'approches pas d'eux. Je ne pouvais plus regarder. J'ai J'ai dû dû les mettre. mettre à terre. Ces mains, elles déchiraient mon âme, mon esprit. Les yeux, c'est comme ça qu'ils vous atteignent. D'accord. Respire du calme. Ça n'a aucun sens. Désolé. Quoi? Ils arrivent pour vous prendre. Oui, très bien, si tu le dis. Bon, on me reste toujours ici. Putain, j'espère qu'elle est pas à hauteur parce que je suis dans la merde. Oh si. Oh my god! Va falloir que je monte, c'est ça? Alors, son. Je vérifie, hein. Avec toujours cette musique, putain, la musique elle est flippante alors que bon. Voilà. Aha. Merde, putain, je peux pas, je fais comment pour passer? Attends, peut-être que. D'accord, histoire de Salem 3. D'accord. Bon, ben. Déçu, il y avait rien à récupérer là. Bon, très bien. Bon, bah, ben, mon dernier collectable n'était pas ici. Oh, je suis dégueu. Attendez. Il y a un truc là. Ok, d'accord. Très bien. On peut peut-être aller de l'autre côté, non? Attends. Attends. Oh, une lettre. C'est pas ce que je cherchais. Je me jette à l'eau. Hop. Je lui ai demandé de me reposer la question. J'ai de la chance qu'il m'ait pas quitté après sa première demande. Avec un sourire satisfait, il s'est mis à genoux dans une flaque d'eau sale en plein milieu du trottoir. Il s'en moquait, il savait ce que ça signifiait. J'avais enfin pris ma décision. Il m'a pris la main et m'a demandé: veux-tu? J'ai immédiatement répondu oui, sans lui laisser le temps de finir. C'était évident. On s'est mis à rire. À trop bon passage pour la suite. D'accord. Bah, désolé, t'es morte. Bon, très bien. Il est où mon dernier collectable, s'il vous plaît? Voilà, ouais, génial. Nouvelle vidéo. 10 minutes ici à passer à rechercher. Ah! Collectable. Bon. Bon, bah, en tout cas, j'ai dû louper de mettre dans une autre pièce. Je veux dire, au début. Enfin, au début, qu'est-ce que j'ai dit n'importe quoi. Il devait être dans le grenier avec Joy. Ou un truc comme ça, parce que là, franchement. Ou peut-être dans les cuisines au tout début. Mais. Ouais. Hein, parce que j'ai bien. J'ai regardé, j'ai pas trouvé. C'est bizarre. Alors, diversion, d'accord, si tu veux. Oh putain, je suis deg. Allez, ville. Bon sang. Et maintenant.
Alors, où elle est partie, hein? Ah putain, c'est chiant, ça prend le la détection de mouvement là, de la plaie. Mais quel détective? Allez, pars. Va chercher mon carnet au poste. Ne te retourne pas. Bon. Ouais. Elle va au poste de police pour voler un carnet. Elle passera inaperçue. Tu savais que sa mère bossait pour la police? Très bien. Comme tu voudras. Bon bah allez, on va chez, on va à la police. Il est temps de retourner au poste. This is time. Ah putain. Est-ce qu'ils sont apparus les monstres? Bon. Comme vous avez pu voir, j'ai pas trouvé la dernière scie. Je me demande si je pourrais revenir dans l'église pour fouiller. Bah de toute façon, je peux plus passer de l'autre côté. Vu que le prêtre, bon, il fait plus le ménage. Oui, attention, on sent l'ambiance sombre. Oh yeah. Le bug. Bon, c'est pas grave. Non mais c'est bon. Oh. Ouais, le jeu il est vraiment bugué là. Putain, bah arrête tes conneries s'il te plaît. Je peux plus avancer, je peux plus bouger. Bon bah génial. Je suis bugué. Oh non, je peux plus avancer. C'est un truc de fou. Je peux plus bouger. Bon bah excusez-moi, je suis désolé. Hop. J'ai oublié de revenir en arrière, hein. Mon personnage il bougeait pas. Je pouvais. Impossible de. Quand je bougeais le stick, il avançait pas. Truc de ouf, de pouf, the roof is on fire. Bon, normalement, j'ai dû recommencer juste sur la zone de l'élevage. Bon, pas parler à la meuf parce qu'elle me fait bugger. Très bien. Voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, au fait, ce jeu, il est en version 1.0. Ça veut dire qu'il n'y a aucune mise à jour. À mon avis, vu qu'il me semble que le studio derrière a fermé. Donc, voilà. C'est normal qu'il n'y ait pas de... Qu'il n'y ait pas eu de mise à jour, enfin qu'il n'y ait pas de suivi de Square Enix, quoi, parce que c'est eux les éditeurs. Parce que là, franchement, c'est. Oh! Ça me fait deux bugs. Mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Oh lolo! Putain, mais regardez-moi ça! La femme elle a disparu, elle y est plus. Et les éléments que j'avais découverts grâce à. Oh bon, enfin bref, je m'en bats les couilles. Bon, j'imagine que plus tard ça servira. Hein, je pourrais pas me déplacer librement.
Ah d'accord, c'est pour se cacher. Ok. Combien? 11 000. Bon, bah c'est où il faut aller au moins. Ce serait bien que les fantômes existent. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais leur parler. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de te parler. Bon, on va se dépêcher un petit peu. C'est vrai, Baxter pouvait pas le sentir. C'était partagé, ça se voyait clairement. Ronan n'était pas une crème, c'est sûr. Mais soyons honnêtes, Baxter ne vaut pas mieux. Ouais, mais tu ne penses pas qu'il... Enfin, un collègue. Ou quelqu'un d'autre. Oh, tu sais, dans ce métier, je suis de moins en moins surpris par ce dont les gens sont capables. Bon. Je pouvais pas passer par là. Allez! Attendez, il y a un truc là. Alors c'est quoi? Ronan fait sa demande. Aujourd'hui, il m'a fait sa demande. Je n'ai pas su quoi répondre. Je veux être avec lui, je l'aime, mais lorsqu'il m'a demandé de l'épouser, je n'ai rien pu dire. Les mots étaient coincés dans ma gorge. Il était à genoux devant moi. Je sentais son silence s'abattre sur moi, sur lui comme un poignard. Il a fini par se lever. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Mais est-ce que j'ai tout gâché? Mais non, l'amour, c'est l'amour. C'est quoi déjà ce jeu avec la fille qui pille les tombes? Pshololo, ah oui, c'est vrai. Mal de se faire faire un tatouage. Le policier en avait des tas. C'est quoi déjà ce jeu avec la fille qui pille les tombes? D'accord, c'est vrai, j'avais oublié que c'était un jeu Square Enix. Hop, enfin j'avais oublié, je vous l'ai dit il y a 5 minutes. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai persuadé de devenir flic. Maintenant, il est mort dans la rue. Et c'est ma faute. Mais non, c'était pas ta faute. Bon. Bon, et si on allait au poste de police, hein? Ce serait sympa. Puis tout à l'heure, je fais des détours, mais c'est bien. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux pour faire des détours. Les détours. Putain. Faut vraiment que j'arrête. Je devrais rentrer maintenant. Oui. Est-ce qu'un nouveau chef de la police ferait mieux? Rien à voir. La meuf, elle a flip après. Est-ce qu'un nouveau chef de la police ferait mieux? Wouah, d'accord. Très bien. Vous savez quoi? On va survoler le scénario. Hein, voilà. Ah bah. C'est quoi ce jeu là avec cette fille qui pille des tombes? Salem est censé être une ville paisible, le genre d'endroit où l'on peut échapper aux problèmes d'une métropole. Mais depuis peu, je ne me sens plus en sécurité dehors la nuit. Quand j'en ai parlé à Ronan, il a tenté de me rassurer en disant que c'était lui la terreur de la ville. Mais ça n'y a rien changé. Quelque chose dans cette ville ne tourne pas rond. Ah bah oui! Ah, il me semble qu'ici il va y avoir des zombies ou je sais pas quoi. Enfin, des démons ou je sais pas quoi. Jeté par la fenêtre. Ça doit être horrible. Reste dans les endroits éclairés, ça devrait aller. Mon petit.
Bien sûr, on reste dans les endroits extérieurs. D'accord, j'ai encore trouvé du but à gaz. Du but à gaz. Hop. En Espagne, j'ai entendu dire qu'il brûlait. De quoi tu parles ? Les sorcières ne portaient pas ce genre de chapeau. Très bien. Bon, si on les espionnait tous. Je devrais rentrer maintenant. Oh. Est-ce qu'un nouveau chef de la police ferait mieux ? Très bien, un doublon, y a pas de soucis. En même temps, vous allez me dire. Hein. Jeté par la fenêtre. Ça ouais, d'accord. Très bien. Bonjour, monsieur. Oui ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non, non. Hey. Est-ce que ça va ? Essaie de te calmer et parle-moi. Comment tu t'appelles ? Brad. Bon, explique-moi ce qui s'est passé. Je sais plus. On était sortis en ville, histoire de se détendre un peu. On a bu un verre, puis trois, puis cinq. Puis j'ai arrêté de compter. Ouais. Puis c'est le flou total. J'ai dû vouloir conduire Rick et Laura chez eux. Oh mon Dieu. Oh, c'est ma faute. Je pourrais jamais me le pardonner. C'était peut-être pas ta faute. Tu l'as dit toi-même, les détails sont flous. Je peux essayer de récolter des informations, voir ce que je peux trouver. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors c'est normal hein, que les gens sortent du mur. Hop, oui, parce que en fait, les murs, les trucs bleus là, il n'y a que nous les fantômes qui le voyons. Hop ! Allez. Donc tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Brad, putain. Ça doit être la voiture de Brad. Ouais. En sale état. Scotch. Qui conduisait ? Bon, faut que j'aille de l'autre côté, j'imagine. Ah, c'est mince, mais ça vaut mieux que rien. La station-service est pas loin, je devrais y jeter un œil. En Espagne. Ouais, putain. D'accord, très bien. Bon. Bon, là, bon, peut-être. Ouais, si à mon avis, il y a des trucs bizarres comme ça, là. Ils les ont pas foutus là comme ça. Peut-être qu'à la fin du jeu, toute la ville sera possédée par les démons et ce sera mon seul moyen de me déplacer. Attendez. Hop, non, là y'a rien, donc là ça sert à rien. Hop! Cette entreprise se tenait. Et le fort abritant l'armurerie convoitée par les soldats britanniques lors de l'assaut du 26 février 1775. Les braves citoyens de cette ville ont su repousser l'armée grâce à l'utilisation stratégique de ponts basculants, empêchant la saisie d'armes d'une importance qui s'avéra décisive au cours du conflit qui devait éclater quelques mois plus tard. Bon, très bien. Allons à la station service. Là, c'est ta source, oui. Bon, le commissariat, il est là. La station service, elle est là. Bon. Je savais pas que t'étais une petite nature. C'est elle là? Oh la salope. On est en train de vomir. Oh,
d'accord. Brad. Ouais, taxi. Je veux dire un taxi. Hein? Oh, la station service. Ah ouais! La station! Ok. Donc ça sert à rien. Si on croisait le meurtrier, je sais pas ce que je ferais. Ah bah tu vas manger ta gueule. Si on marchait un peu plus vite. Si même les flics sont en danger, qui est en sécurité? Eh ouais, personne. C'est trop bizarre. Quelqu'un a perdu la vie ce soir. Oh bah quelqu'un perd la vie tous les soirs, ma petite. J'ai intérêt à être fait quand je rentre. Ah ouais. Si j'ajoute de l'huile pour compenser la fuite, ça devrait tenir encore un an. Bon, alors attendez. 1, 2, 3, la station service. Bon, il manque encore 3, 2 à 10. Très bien, donc là je peux pas passer. Hop. Bon. On va rester là pour l'instant. Ouais, bon. Je me demande s'il n'y a pas un truc à découvrir dans la station service. Est-ce que je peux rentrer? Non. Alors. Non. Affaire annexe. Putain, là je suis dégoûté, il m'en manque un. Ah, il manque un pouvoir à trouver. Une bouteille de whisky brisée, de la pré-brad. Désolé, je parle pas beaucoup parce que je suis en train de regarder. Alors, elle a reçu de station service qui date la nuit de l'accident. Ça ne servira peut-être à rien. D'accord. Laura était en train de faire le plein quand elle a été interrompue par un bruit. Très bien. Ricky était visiblement complètement bourré, mais il a été tout de même surpris par quelque chose. Brad était en train d'appeler un taxi. Mais quelque chose l'a fait décamper avant qu'il puisse arriver. D'accord, très bien. On peut pas aller dans la station?
Voilà. Apparemment, ils ont tous été surpris par un bruit. Attends, un bruit. Qu'est-ce que c'était ? Bon. Si on croisait le meurtrier, je sais pas ce que je ferais. Vous êtes lui ? On va suggérer. J'aurais pas dû claquer la porte comme ça. Cette fenêtre sera retenue sur mon salaire. Ces sales ivrognes m'ont vraiment fait chier. Qui va devoir nettoyer leur vomi encore ? Ce genre d'abruti fait fuir le client. J'aurais jamais dû laisser cette fille prendre le volant. Pourquoi j'ai pas appelé la police ? Alors au final, c'était pas Brad qui conduisait, c'était Laura. Ah, d'accord, très bien. Mais il sera certainement soulagé. On va voir, 9 sur 11. D'accord, le mec il est à toute façon, putain, espèce de con. Le ménage a intérêt à être fait quand je rentre. Oui, c'est vrai, j'avais oublié dessus. Espèce de maso. De, pas de masochiste. De machiste. Si même les flics sont en danger, qui est en sécurité ? Personne. Bon, alors l'autre il était où ? J'étais passé. Attends, il est là le PD ? Le SPD ? Ouais. Bon, attendez. Hop. Il va l'autre. Attends, il manque deux indices là. Tu te souviens de la station service ? Attends. Je me souviens que j'ai fait le plein. Ajoute à ça une petite vidange. L'employé n'était pas ravi de nettoyer après ton copain Rick. T'as même essayé d'appeler un taxi. Ah ouais ? Je me souviens pas de ça. Quand l'employé a débarqué hors de lui, vous vous êtes enfui. Et c'est Laura qui conduisait. Alors, c'était pas moi ? Ah bah tant mieux. Infernal. J'ai du mal à accepter ce qui s'est passé, mais c'est un soulagement de savoir que je suis pas responsable de tout. Je sais pas quoi dire. Merci. Allez. Je vais me faire des bonnes actions. Allez, reprends-toi. Non, même s'il manquait 2 à 10. Attendez, je vais regarder. Bon bah allez c'est bon, on va au poste de police. Bon bah alors bon bah écoutez, j'ai pas fait grand chose en vrai. Ah, ah. C'est pourquoi nous demandons aux citoyens de Salem de continuer tout indice qui pourrait faire l'enquête à la police. Nous allons. Oh putain merde! Bon, bah je serai que les deux à 10 sont là.
Un de peu cabossé en affaire, soit un fou du volant ou quelqu'un de très pressé. Ou de très ivre. Un phare arrière en morceaux. Hein? Sortir du grenier? C'est quoi ça? Pourquoi sortir du grenier? Bon, oui. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris! Oui, je vous disais, désolé, c'est pas, il se passe pas grand chose, hein, mais c'est parce que bon, j'ai pris mon temps pour fouiller et tout. Pour... Oh, une lettre. Mon chevalier servant. Pour une fois, déambuler dans les rues la nuit n'était pas si terrifiant. Ces histoires qu'il m'a racontées à propos d'être l'homme le plus dangereux de Salem, tout ça m'a semblé réel. Personne ne pouvait rien contre lui. Et j'étais avec lui. Je suis avec lui. Non, j'étais avec lui. Je suis avec lui. Et je le serai toujours, j'en ai la certitude. Très bien. Bon. Allons au commissariat. À l'hôtel commissariat. C'était quand ces procès? Au 19e siècle? Je devrais m'intéresser davantage à l'histoire. Ça me fait un drôle d'effet de revenir ici, maintenant. Cet endroit auquel je m'étais raccroché quand j'étais au fond du trou, quand je m'étais retrouvé brutalement seul. Marrant comme l'histoire se répète. Mais ce soir, il utilisait un flingue pour la première fois. Ce salaud a une nette préférence pour le corps à corps. Donc rappelez-vous, surtout ne l'approchez pas de trop près. Chef, si on ne peut pas l'approcher, comment on l'arrête? Souvenez-vous de l'entraînement. Désormais, c'est un tueur de flics, tiré sans sommation. Le QG du crieur des morts. Hop. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Voilà, des nouvelles sur la piste. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié, malgré qu'il se passe pas grand chose. Mais je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.